Hawa toza esengo kasi liwaisa na na bomoto oyo ya batu pamba bazanga ba politique ezale loko mawa mais pour la politicien oyo asala komo atika bilembo na makanisi ezaka mawa te pour témoignage tuni ngai na ye kolango na ye moko ngolo moko tozaka wa tozo fêter anniversaire ya cofondateur ya fondateur moko akufa ka lobite Mandela lobaka na ba discours na ye bato bazo kufa na ba marche na ba manifestation ndenge na ndenge tolelaka te po ba komi ebele eza bato baza ebele sima na biso bazo kotindika biso pa na victoire donc ye moko pe na minute oyo ndenge tozo loba po makanisi na ye tindika biso kaka ti na victoire ti tomona ba obstacle eza liboso tolemango te tozala kaka na makasi ya kobuka yango yango wana mawa oyo olobi mpo na biso eza esengo po ezokuteya biso mokolo na mokolo courage oyo azalaki nango bravour oyo azalaki nango maboko mpona koyamba ba force politique nyonso ya opposition mingimingi avant tokoma na force oyo en général qui dépense d'abord tolakisa na miso ya bato ke union wana bamikosinaiso bakoo baki ai dépense matia union pour la démocratie tozala na makasi na force na intelligence ya kolakisa population tokoki kosalelango qui dépense ezonga ndako moko balegitimité ya koela président wana oyoka etondimi mais objectif tozala elongo esika moko topesa victoire na population oyo aye bakovivre décemment ndenge signe na biso elongi progrès social topesa progrès social na population oyo soki koka idepese zonga ndako moko yango bisobalakiana baya bakosadere awa bafiche ezali bakarte ezali nyonso tozopesa mais finalité na élection tokokende idepese ndako moko yango eza Non, les partis à l'évolution, vous venez de voir, malgré la pluie, des combattants, des amis, des fidèles, des l'idéologie, des leaders, ont répondu massivement. Ce n'est pas à démontrer par je ne sais pas quelle équation mathématique. Les gens sont là. Ça signifie que le parti est en progression. Il y a des années où on ne pouvait pas se le permettre. C'est cette fois-ci, avec tout le travail qui est abattu, les parfaits de vous-même, et nous assurons qu'avec les élections, comme le président l'a dit, je crois qu'à cette date, 16 ans, nous allons commémorer cela avec l'UDPS au pouvoir. Alors, c'est que du côté de Christian et Kibasa, ça veut dire que la tentative de rapprochement entre les deux élus, UDPS, c'est un aboutissement. Non, tu me permets de me répéter, ça a toujours été un processus qui a commencé. Je vous disais qu'il y a peut-être une année, que c'était déjà beaucoup que les gens commencent à se parler. Se fréquenter, c'est encore un plus. Ce qui est efficace, ce qui reste, c'est un montrer à la fois que les épithètes vont disparaître d'ici là. On parlera de l'UDPS. Et quand nous allons vous désigner le candidat président de la République, et vous le saurez davantage. Alors, vous comptez sur la machine à voter contre les élections ou pour les élections? Non, la machine à voter, nous sommes en pleine démocratie. Le peuple a acheté son dévolu contre cette machine. Et que les dirigeants aujourd'hui apprennent à écouter la base. La base nous apprend qu'elle ne veut pas de cette machine. Nous faisons la volonté de cette base. Toutes les communautés, la communauté internationale, toutes les communautés, les États-Unis, les autres, disent que cette machine ne veut pas. Ça ne sert à rien de se cramponner à ça. Donc, il y a. De l'UDPS, le sommet UDPS. Écoutez, je dis globalement que s'il faut choisir un signe, c'est un signe de détermination pour que véritablement le combat qu'ils ont eu à mener ensemble avec tous les pères fondateurs, avec tous ceux qui les ont suivis, puisse aboutir. Et le hasard du calendrier veut que ce soit une allée électorale, ça veut dire que notre détermination et de faire non seulement aboutir ce combat, mais véritablement demain changer ce pays pour que nous puissions nous mettre sur une voie véritable de démocratie et de progrès social. Président, juste une dernière question. Vous avez parlé qu'ils ont commencé la lutte ensemble. Est-ce qu'on peut envisager une réconciliation des deux UDPS? Étant donné que ce sont les deux seuls qui ont été reconnus. Dans ce cas, je réitère l'invitation que j'ai faite tout à l'heure pour dire si vous voulez savoir de quoi il s'agit véritablement, je vous convie de nous suivre sur la 617 Nouvelle rue Mumba, 12e rue, et nous allons en parler maintenant. Lettre, il y a 52 pages. En fait, Ezali, parlementaire, Oyo, Bazaki, député, Bazaki, Parlement, Moutou, Bassignaki, Yango, mais jour où on a
Tobando Timbela que Bazaki Bango Mokote. Apparemment, Bazalaki accompagné Nabatoumissou Soundenge Christian Mwandorobia au Bazaki extra-parlement. Et c'est là qu'on a su que Papa Freddy Kibasa a Zalakape na Likopawana. Jou Wango, après que Bakangaki dont Toyoki que Bakangi Batresse parlementaire signataire, il y a lettre de 52 pages. Batindi commando moko ya guana ye kobuka bureau ya président Tshisekedi tout ça. Dans l'après-midi, alors que moral na biso ezaki très bas, maman Abimaki akende koluka esikani ba memi mobali na ye. Papa Freddy aye na ndaku. Abi mais comment ça va les enfants? Bon, Abtalika moral a monique mobulu. Abi non, bobangate, qu'est-ce qui s'est passé ici? To expliquer ye nenge bayaki ba brutaliser ba tout ba babuki ba bureau à l'époque ezalaka je crois procureur de la république pour ceux qui se souviennent comme on ezaka angelete moi je connaissais même pas d'ailleurs c'est là que j'ai su que procureur comme on angelete et je me souviens na phrase na yeka kalobaka phrase moko donc abimi na kanda atali na ba dega abimi à côté de la voiture, on a dit, je vais voir ce fichu en guélette. Donc, totali la télévision, pour ceux qui ont vécu l'époque de Mobutu, comment le maréchal savait mettre le face de Nabama Kamunae, totali, si quoi, dans le comité central, la sanction est bandio kouya. Et comme il fallait s'y attendre, Papa Freddy a été frappé par ces sanctions-là, déplace Nayakosa la lien qu'effectivement, cette histoire, il y a Angelete, avait eu un suivi. Suivi, on a Ekomagi Namatoi, à Maréchal Mobutu, et le régime de l'époque l'avait aussi sanctionné. C'est là que, par malheur, Nabiso, Nayabakipasa, qui sont liés, dont les destins sont liés, c'est là que, par malheur, Nabiso et Banda, et histoire Eza, Molaï, Torobé Tango peut-être, jour Moussou Souponako, Koyeb Sabino Yango na détail. Deuxième étape, Lissousou, on a gardé toujours en mémoire, et Zalaka en 1983, lorsque Wanasko y dépense Salemi, Yambaki Bango, ya Zalaka président, y a eu dépense, mais Bango à l'époque, Bazago évitait Bater Mwana, Bazago Benge porte-parole. Bayambaka Bango na intercontinental, il y avait une délégation ba congressiste américain Bayaka. Balingai bakuta nana ba opposant, il y a eu des pestes. Ba papa bazalaka kuna, donc nazo benga bango ba papa parce que to mesana ka ndengo wana eu des pestes za ka famille. Biso to ko benga ba président te banini te non, bango tout bazayi ba papa. Ba kolisa biso ndenge wana. Bayambi bango na intercontinental, où est comme il est là. Comment ça s'appelle aujourd'hui Nagenda Plaza. Comment Pullman. Voilà. Pullman. Bayambi Bango Kuna. Biso Toyaka Wana, Toye, Nayaka, Nagina, Ndekonangaï, Christian, na Ndekonangam sous Kaïs. Toye, Tobeti, moi, tout, place Wana. Na hall ya intercontinental to moni benza ndenge ba to un air à l'époque wana na ebite so ya wana ba ko benga ba musu bana na bosani mais ba to un air na bango ya époque wana donc zo mona ba benza na bilongi bo bango e ba sali kutu nete ba tungisa moko ya ba 13 parlementaires papa ngoi mukendi pe a son âme ayaki ya yaki na retard baninga ba se ba mataki ba bloquer na ascenseur wana baninga matata sali scandale. Tant que Mindele, Bakomo Pusana, mais yem toya kambangwana ye non on a tué Freddy on a tué Etienne. Mais c'est pas possible wana na lopango
y avait donc papa Anaclet Makanda qui était là, papa Joseph Ngalula, papa Kiungu qui était déjà bango baya qui na voiture na bango bango bakoka obima tango voiture oyo ya papa Freddy na papa Etienne bagi voiture mo bani ba bima ba kiti si barrière pour na bango ba yebi parking ya ya grand grand hôtel wana ba kiti si barrière allez frappe bandi wana na ba combattant na ba donc ba sangisa qui te ba beti tellement que bao ba panzana ki na bangembo ba panzana ki wana oya yakope sa sangwa lobi que non atiki tiseke dina ki basa ba kufi lobi mais c'est to vu vertige to koti na voiture c'est mon frère Christian qui conduisait to zongi kote kuna tant to zo mata bo moni kota lise bo sangani na barabana na to moni peuple benzezoya moko reconnaître biso na ba combattant non 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 bo zonga ba kufi te ba kufi zo mi qu'est non non ba kufi te bo zonga kanda ku ba memi bango na Naba soldat ya DSP. Et puis quelques heures plus tard, baye, donc vraiment, il y a une tension, ma casse, totikalika, donc moyen goli a exagité, ni totikalika na balaba là. Et puis, donc, comme on a vers 22h, 23h, boye, jeep mogo eye, dans mon jeep eye, donc là, il y a tante Anne, oya ba kibasa, qui est avec nous. Donc, pour les lagaka, pour se plaindre, ma maman peut côté ma gende qui doit éviter. J'y pouane yé, ton moni ba kiti si, ba yé pa nabiso héros, on a toujours vanda na, sur le boulevard, place Viban Kezali, avant président Yawa, sur le boulevard du 30 juin, avant Gota Limité. J'y p'tan we gomi, et kiti si, papa Etienne Kaka. Total, on a kati, papa Freddy Pazalaki. Na bando ganga, non, non, papa Freddy. Wana chemise mouimba. Taché de sang. Avant de gagner, tant de père bandit scandale, platon. Non, frère, n'a pas beaucoup de sang, mais va démarrer en trombe, bakéi. Papa était en abandon calmé, puis non, non, ça va, il n'y a pas de problème. Il y a peine à la pota, il y a un amoutou, tout ça. Donc, au tika, effectivement, il y a un sang qui est fait. Ah ouais. Donc, voilà un peu la situation que nous avons vécue. Bissot, banayaba 13. Enfin, on appelait 13 parlementaires, mais en fait, c'était combo symbolique. En réalité, c'était les fondateurs de l'UDPS. Oyo, Basalaka, fronde la dictature à l'époque. Bas jeune, au Bazal Lelo, Bokoki, qu'on imaginait ce que c'était de défier ce régime-là. Lelo, Tozan, bas témoin vivant, il y a Lutoana. Ma véritable compagnon, il y a Etienne Tshisekedi, naba Kibasa Maliba, ba o anate o ba mibenga ba compagnon anate. Ba compagnon à solo bazaliawa. Je pense ici à Omer Kamba. Je pense à Omer Kamba, je pense à Gilbert Kankonde, je crois que j'en oublie d'autres bazawa. Bango Moutoubako Bete Labino Masolo Akad. Pour vous dire que pour la soukisana, pour la voyer Sabino que Batouana Naokaki, Père Jean, Lelo na Omélie pour Nabao Bagi na Mess, à Bengi Bango va être exceptionnel. Croyez-moi, ils n'ont pas volé ce terme-là. Ce sont des êtres exceptionnels. Je pense que Bayaki na Mokili, pour passer la mission Oyo et Sali que l'Eloyo, na Congo Oyo, Babeta l'isolo à démocratie. C'est grâce à ces papas-là qui ont été clairvoyants, qui ont été avant-gardistes. Combat na Bango et Sali, Yako Koma na ba histoire, en lettres d'or, y a histoire, y a Congo. Je remercie Dieu de m'avoir donné un papa comme Etienne Tshisekedi et de m'avoir donné un beau-père comme Frédéric Kibasa Maliba. C'est une bénédiction. Merci. Voilà, merci. C'est poli, si vous
UDPS. Union, démocratie, UDPS. Le parti du peuple. Le parti du peuple. Celui de Bess. Le parti du peuple. Celui de Bess. Monseigneur, honorable, cher président des partis politiques, chers animateurs des ONG et mouvements citoyens, distingués invités au titre et qualité, chers combattantes et combattants, je me fais avant toute chose le devoir de vous transmettre les sincères remerciements de Madame Ephrasie Kunda Kibasa, veuve du président Frédéric Kibasa Maliba. Elle a été un support indéniable et un témoin privilégié du parcours de son mari enseignant au début des années 60 et qui est devenu le grand Frédéric Kibasa Maliba que nous avons connu. Votre présence en ce lieu historique qui a subi toutes les affres de la dictature démontre à suffisance votre attachement et votre compassion à l'illustre disparu. Voici aujourd'hui 15 ans que Frédéric Kibasa Maliba nous a quittés. Il est plus qu'ardu de le circonscrire dans les quelques lignes qui vont suivre. Néanmoins, nous allons le paraphraser par moments pour comprendre la profondeur de son engagement dans la lutte qui doit apporter à notre peuple la véritable démocratie et le progrès social. Au moment de la rupture avec la Deuxième République, il couchait sur quelques lignes ce que nous pouvons appeler sa profession de foi politique. Je cite, « Je désire disparaître un jour de ce monde, debout, sur mes deux jambes, comme un homme, combattant pour ma foi et mes principes, plutôt que de rester toujours, ramper toujours, jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. » Fin de citation. Il disait aussi, si le Frédéric Kibasa Maliba, père de famille, doit se plier devant ce Frédéric Kibasa Maliba, politicien, il le fera, car ce dernier se bat pour la nation à laquelle appartient sa famille. Constatez avec moi que Frédéric Kibasa Maliba avait consacré de manière pleine et entière sa vie pour son prochain, pour sa patrie. Il nous disait souvent que face à l'adversité, l'être humain devait toujours se battre pour sa foi et ses principes. Notre foi, qui fait partie du testament politique, est de concrétiser l'unité de la grande UDPS afin de restituer à tous les combattants de la démocratie, morts et vivants, au nom du sang versé et des sacrifices consentis, une UDPS unique, soudée, nationale, nationaliste, avec comme soubassement tout le peuple congolais. Permettez-moi de m'arrêter un moment pour saluer la présence du président de l'UDPS Tshisekedi. C'est pour vous dire que notre engagement pour aller dans la direction de cette réunification n'est pas du tout vain. Et j'aimerais avoir un mot au président Félix Tshisekedi. Cher Félix, je te remercie énormément d'être venu ici. Et permets-moi de m'honorer en te levant pour que l'UDPS Kibasa t'accueille, s'il vous plaît. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, combattantes et combattants, l'UDPS n'a pas pour vocation de demeurer un parti politique d'opposition. À la faveur des élections de décembre 2018, durement arrachées par notre peuple, le paradigme doit changer. L'UDPS doit diriger, l'UDPS va diriger. Certes, de bonne guerre. Mais il en est autant aussi aberrant d'entendre, à longueur de journée,
Ceux qui gèrent mal la République aujourd'hui, vous les connaissez. Prendre le courage de nous rabâcher les oreilles en affirmant qu'ils vont gagner les élections à tous les niveaux pendant qu'ils sont en totale rupture avec notre peuple. Sentinelle du peuple, l'UDPS Kibassa affirme qu'il n'y aura pas de prime pour ceux qui ont paupérisé, clochardisé notre peuple. Sur leur chemin, ils vont rencontrer l'arme ultime, Bimela Bango, seuil électoral. Je m'arrête un peu aussi à ce niveau pour dire qu'ils ont tripatouillé la loi électorale, mais ils ont oublié que c'est le peuple qui donne ce seuil. Et ce peuple va nous sanctionner durement. Concernant la machine à voter dite à tricher, l'UDPS continue à affirmer qu'elle sera source de conflits post-électoraux. La polémique autour du prix de cette machine et la récente déclaration de l'ambassadeur sud-coréen devraient par pudeur interpeller M. Corneille Nanga à reconsidérer sa position au profit d'un vote manuel classique. Ainsi, la démocratie retrouvera son oxygène. Quant au fichier électoral, nous exigeons un audit crédible et nous n'approuvons pas la manière cavalière avec laquelle la centrale électorale traite de cette question. Nous lançons un appel pathétique aux combattantes et combattants à travers toute la République de s'approprier le processus électoral et de dédoubler les efforts pour gagner les élections à tous les niveaux et d'ici peu, dans le respect de nos préalables statutaires, l'UDPS Kibassa fixera l'opinion sur son candidat à la magistrature suprême. En outre, nous en appelons une fois de plus à la cohésion stratégique de toutes les forces d'opposition pour faire bloc contre toute tentative des dirigeants actuels de se maintenir au pouvoir par des moyens frauduleux. L'unité de l'opposition est un gage d'une victoire éclatante sur la majorité en place. Dans cet ordre d'idées, nous exhortons aussi les forces citoyennes, particulièrement l'Église catholique. Je suis content de voir Monseigneur parmi nous, qui est une organisation qui est très bien organisée dans les coins et recoins du pays, à s'impliquer dans la surveillance des élections, surtout dans l'arrière-pays, pour éviter les tricheries en masse qui compromettraient le véritable verdict populaire. Combattantes et combattants, le sourire ne vous est toujours pas rendu. Nous ne pouvons pas, donc, laisser tomber les graves de gouvernance. Est-il normal de sacrifier tout un peuple qui vit dans l'extrême précarité par le simple fait d'état d'âme d'un groupe d'individus? Au demeurant, ceci ne nous étonne pas. Nous sommes face à un gouvernement qui excelle dans une gestion calamiteuse du pays et l'extrême pauvreté de tout un peuple ne le préoccupe nullement. Eu égard de ce qui précède, l'UDPS Kibassa, fidèle à la vision des pères fondateurs, en particulier de son feu président Frédéric Kibassa Madiba, qui disait, je cite, « Le Congolais doit atteindre la qualité de la vie. » Autrement dit, le Congolais ne doit pas manquer de quoi que ce soit au regard de tout ce que regorge notre sol et notre sous-sol. Fin de citation. Il est donc temps de forcer le destin et la première étape résulte dans une victoire des forces acquises au changement. Et je souligne que décembre, c'est déjà demain, il est temps de se tenir debout pour balayer définitivement ces gens qui ont tout à fait mis le pays par terre. Tenez bon. L'UDPS vaincra. Je vous remercie. Ma tronche. Parce que la partie française est terminée. Et comme mon lingala est un peu mieux que celui du président Christian Mwando,
je vais quand même exercer mon petit témoignage à président Monidela, mon petit témoignage à président Christian Mwando. Et ça perte mon nez, bon abisso. Mais perte-toi, tant que tu as un courage, tu as un abisso. Et je peux s'abisso ma casse. Il faut continuer le combat. Il faut continuer à faire le combat. Il faut que tu aies un combat. Et il ensemble. Le président Félix a dit que tu as un combat avec papa. Tu as une famille. Donc, tu as un bon abisso. Il y a division. Il faut essouka. Oye bagu. Tozo ke. Tozo ke de la réunification. Étape à Liboso. Et ça la ma déjà. Tant que nous avons comment mouke, dans des Félix, pour nous bisaye, tant que nous avons en retard. Parce que ma permanence n'a dit ce pour ça n'a déjà. Donc, tozo obligé à Kola. Le peuple en abisso, la Koloba, vous allez sûr, et il dépense pour Bunda. Pour bateau, bazo pour Mabisso, Bakende. Congo, ils en a droit. Ou Congolais, ils en a droit à cause de dirigeants responsables. Ou ils sont capables, il y a cause de Mengo et Mboka, Bakabole, Yango, Namoko, Namoko. Parce que les Congolais, pour les Kamuninga, Azate. Ils sont tous dans un niveau moko. D'habitude au coup tabino la permanence qu'on a les lots au coup tibino à d'abord ni n'est au bout retenir place de joie bon et ali eucharistie il y a cérémonie à disparition il y a l'un des compagnons de lit tu as fait Étienne tu sais que dit lui il était parti un peu avant à la personne il y a papa fait Frédéric qui passe à Maliba donc le ali 15e année après disparition là c'est une figure de coup il y a politique Yambo Cannabis, c'est une figure de goût, il y a création, même il y a I2PS, et ils ont marché ensemble. Donc, président Tshisekedi, Abandé Kobenga et Freddy, et Abandé Kobenga, président Tshisekedi, toujours Titi, soit Étienne. Alors, il faut que les gens soient là, pour ces gens soient là, pour ces gens ils sont en mémoire. Il y a lutte, mais toujours tard, beaucoup plus ce qu'il a été pour nous et ce qu'il représentait et ce qu'il incarnait dans ce pays. M. Frédéric Kibasa Maliba, nettoyez que ses souvenirs, Namokolo et Atiké Kibisonamoki. Voilà pourquoi Moni, la grande famille UDPS Kibasa et la grande famille UDPS Tshisekedi, tous ensemble, n'oubliez pas qu'ils n'ont pas seulement le lien, il y a amitié dans le cadre de la partie. Au moins, on a une nain Jean-Claude Abala et Frazi Kibasa. Donc, c'est-à-dire l'amitié du président Tshisekedi et l'amitié de Yéna, président Kibasa.
et qui n'est qui tu n'as lien yabana na bango ko balana. Donc c'est le deux familles qui se sont rencontrées, entre autres famille politique et la famille biologique. Voilà raison la présence na biso na Sika Oyo. 15 ans après sa disparition, ce combat n'a vraiment bien sûr que oui, ils ont cheminé ensemble pour un état des droits, pour la démocratie, pour la liberté d'expression. Mais jusque-là, malgré la disparition, il y a fait Kibasa, malgré la disparition, il y a fait Étienne Tshisekedi, là, nous devons atteindre vraiment l'objectif réel pour que notre peuple a jouir na bonheur. Voilà pourquoi, à travers les fils Augustin et le fils Félix Tshisekedi, il continue les combats, voilà pourquoi on va côte à côte. Et moi, pour moi, donc, tout ça, une grande famille de Tokutani Awa et l'Oro. Merci, mon amour. Là, nous sommes dans les territoires de Kasenga, au Okatanga. Un certain 4 janvier 1940. Ce monsieur avait aussi son père. Son père était Kipasa Madiba Augustin. Et sa mère, Berthe Mutumpa. Il fut marié à Madame Euphrasie Kunda, qui est encore avec nous, mais pas avec nous ici. Voilà. Mais je crois que elle est là avec nous. Elle partage avec nous ces moments. Frédéric Kibasa Maliba. En 1948, là c'était une étape pré-primaire. Je ne sais pas si on pouvait comparer cette période par l'école maternelle, mais il s'agit ici de pré-primaire. Au stade Léo II, à Mwanke, dans la commune de Kamalondo, là nous sommes dans la ville de Lubumbashi. De 1949-1955, école primaire, à l'école catholique Saint-André. Là, nous sommes dans la commune de Kenya, toujours dans la ville de Lubumbashi. De 1956 à 1959, école secondaire à l'école normale Saint-Charles Luanga. Là, nous sommes à Kapo Lowe. De 1960 à 1962, ici, nous sommes aux études supérieures, à l'extension universitaire, Université officielle du Congo. Concernant sa carrière, nous vous avions réservé 3 rubriques. La première concernant sa carrière en tant qu'enseignant. De 1959 à 1964, il était instituteur de l'Institut Saint-Boniface. Là, nous sommes dans la commune de Kamalondo à Lubumbashi. De 1962 à 1964, il fut secrétaire près d'école, directeur des écoles, toujours au Saint-Boniface. Et là, nous tenons à noter ici qu'il fut candidat inspecteur de l'enseignement. Deuxième rubrique, en tant que syndicaliste. De 1962 à 1964, il fut secrétaire provincial de l'Union des enseignants du Congo, INECO. Et là, nous notons qu'il fut leader syndical de renom. Je crois que les anciens syndicalistes sont avec nous, ils peuvent en témoigner. La troisième rubrique, en tant que politique. Ici également, nous n'allons pas tout vous donner, parce que le temps est jaloux. Mais notons qu'en 1964, alors qu'il n'avait que 24 ans,
24 ans d'âge. Il fut ministre de l'Éducation nationale. En tant que tel, c'est lui qui avait initié la vacation soir. Otobenga kanakin tour à midi. Ningeba na classe bakendaka tour à midi. Ongana zaka tour à tongo, ngana zaka tour à midi. Muta pandan masolo ya tour à midi. Frédéric Ibassa Maliba, en tant que ministre de l'Éducation. Si j'étais à votre place, j'allais applaudir. Bon, on va voir ça va bien. 1968, alors qu'il n'avait que 28 ans, il fut ministre des Sports. En cette qualité, nous notons deux choses ici. La première Coupe d'Afrique avec les Léopards. Coupe Otosoa, Tobenaka, Coupe Moseka. C'était à cette époque-là qu'il était ministre. 28 ans. Alors que le joueur Moussous y a Léopard, Bazalaki Mikolonaï. Et lui était là, ministre des Sports. Et il a proposé au gouvernement de l'époque, au lieu que ça soit tout simplement Badjip, après quelques mois, Piné Toboki. Il a proposé Bassop et la Bango Bandaku. Léopard. Invitez ceux qui ont c'est Léopard, Azalea, vraiment. Azalea. Voilà. Léopard, on va se couper, on va se bandaku na lemba. On va se couper, on va jouer à Léopard. Yé. Moutou gâté, on va bandaku à Palé. Qui va s'en maliba. En tant que tel, Yépe Moutou a initié. Il a initié. La Linafoot, Linafoot Lelo, Ligue Nationale de Football. Moutabana Masola Linafoot, Frédéric Ibassa Maliba. Yosolo Kikaka Onote, Vita Bobetana Mazembe, Linafoot. Oyebite Moutou, Abanda Masolo, Ouana, Ibassa Maliba, Frédéric. Le 15 février 1982, alors que ensemble avec les parlementaires, les 13 parlementaires et les non-parlementaires comme lui-même,